Oui, bien sûr que quand vous perdez une finale, il y a énormément de déceptions. Déceptions pour l'ensemble des joueurs, déceptions pour l'ensemble des partenaires et bien sûr du staff, mais aussi une grosse déception pour le président qui nous a permis de vivre cette aventure, mais de la préparer des meilleures façons possibles. C'est-à-dire qu'il nous a tout mis à disposition pour qu'on arrive enfin à ce qu'on puisse mettre une étoile sur ce club et ce maillot qui la mérite, je le dis, et vraiment qui le mérite amplement. Donc voilà, il construit, on voit que tout est fait pour pouvoir réussir. Et j'espère qu'une chose, c'est que la quatrième sera la bonne, parce que ça en fait trois et qu'il est important qu'à la quatrième, on y arrive. Oh, mais de toute façon, il y avait de la fierté et il y a de la fierté d'appartenir à ce club, à cette équipe. Quand vous êtes le responsable de l'ensemble du côté sportif et de cette équipe, oui, je suis fier d'entraîner ces joueurs, fier du staff et fier de faire partie du Racing 92, qui est un club, je vous le dis, sur des bases solides, avec un président solide. Et voilà, on a eu une grosse déception ce soir, mais on est fier de faire partie de ce club.